CRTV News, ici, toute l'info. Welcome to the 3 p.m. Bilingual Edition. This is CRTV News. Hello, Nadia. Bon après-midi, Joyce, Abigail, et bon après-midi à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette session d'information. Au sommaire, la transformation digitale du Cameroun au centre d'un forum. Les experts réunis au Palais des Congrès de Yaoundé mènent des réflexions et partagent des expériences pour la numérisation de tous les secteurs d'activité du pays. Écho du conclave à suivre dans ce journal. In the Adamawa region of Cameroon, the Christmas season of festivities during the end-of-year festivities is moving at a snail pace. Discover more in this edition. Et puis au Nigeria, plus de 330 élèves kidnappés dans une école dans le nord-ouest du pays. Un kidnapping de masse qui rappelle l'enlèvement de 276 lycéennes de Chibok. En 2014, par Boko Haram, le groupe djihadiste revendique cet autre acte terroriste. In this connection, we should avoid stigmatizing. Voilà pour la vitrine de cette édition du 15h sur CRTV News. Une fois de plus, bienvenue. Joyce, vous avez la première partie. Yes, Nida. ICT experts and other stakeholders of the sector are converged at the Yaoundé Conference Center for a three-day seminar on Cameroon's Digital Transformation Forum. The seminar, organized by the National Agency for Information and Communication Technologies, ANTHIC, seeks to draw up a clear roadmap on how to step up the country's digital ecosystem. The Director General of ANTHIC, Ebert Eno, in his welcome address, underlined that people are the core of digital transformation. The desire is for them to have a good customer experience through improved delivery, embracing the changes that comes with technology and meeting the demands of a digital season. We will be bringing you more of the story in our subsequent editions. The steering committee of members of the Youth Agropastoral Entrepreneurship Promotion Program have met in Yaoundé in their seventh ordinary session to evaluate the activities of a youth program for 2020 and also to improve and approve projects earmarked for the year 2021. Presiding at the opening ceremony, the Minister of Agriculture and Rural Development expressed satisfaction with what has been done so far in creating a structured value chain for agro-pastoral production in the rural communities of Cameroon. We would be giving you details of these stories in our subsequent editions. Managers of public funds and other stakeholders involved in the implementation of state budget are being drilled on the new reforms in handling public accounts. The series of sensitization taking place in Yaoundé is organized by the Ministry of Finance. The aim is to bring about good governance and transparency in the sector and help raise the state revenue. We have the story with Gilbert Angene. Dans le cadre de la programmation de l'Union européenne, celle-ci compte intégrer son rôle de puissance démocratique, économique, sécuritaire et régulatrice, de renforcer l'approche Team Europe, de bâtir des interventions dans le cadre d'un programme indicatif pluriannuel de 7 ans, comprenant 3 aires prioritaires constituées chacun de 3 sous-secteurs. Dans cette dynamique, il est prévu la disparition du Fonds européen de développement, remplacé par l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. De même, le rôle d'ordonnateur national ou régional du FED est voué à la disparition. Dans le cadre de l'exercice de programmation, la Commission européenne a produit les lignes directrices
donnant le mandat nécessaire aux délégations de l'Union européenne de mener les consultations avec les clusters Europe et les clusters locaux, c'est-à-dire le gouvernement, les autorités locales et les autres parties prenantes du pays ou de la région partenaire. Ceci, conformément au principe d'efficacité du développement et de l'appropriation par le pays ou la région, dans le sens d'un dialogue. Général de l'OACP, il est dès lors aisé de constater que le dialogue sera dorénavant au cœur du partenariat avec l'Union européenne, et alors même que le cadre institutionnel du futur accord n'a pas expressément désigné l'interface au niveau national et ou régional. En se référant aux articles 3 et 95 du futur accord, je voudrais suggérer que les parties mettent en place des mécanismes ouverts et transparents favorables à des consultations structurées. Le Cameroun pense que cette fenêtre devrait être saisie pour asseoir une bonne coordination du partenariat avec l'Union européenne à divers niveaux. Parlons à présent de la poursuite de la dématérialisation des procédures administratives au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative qui est au centre d'une rencontre ce jour à Yaoundé. Au menu de cette réunion, présentation des projets des prestataires appelés à aider les usagers à mieux bénéficier des services de ce département ministériel. Retrouvons sur place notre reporter Catherine Toulou-Elanga. Bon après-midi, Catherine. Alors, bonjour à vous. Le nouveau système intégré de gestion des personnels de l'État et de la solde est au centre de cette rencontre qui se tient en ce moment même à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Le CJPES, dans sa nouvelle formule, sera présenté par les prestataires. Ce comité interministériel est donc chargé du suivi et de l'évaluation de ce projet. Il sera question de sélectionner la formule la plus adaptée au système de fonctionnement du Cameroun avec le ministère de la fonction publique qui est en pleine dématérialisation des procédures grâce au CJPES. L'événement est donc en visioconférence. Trois pays sont concernés par l'opération. Les prestataires viennent du Maroc, de, entre autres Israël et puis d'autres pays que nous n'avons pas encore pu repérer dans la salle en ce moment. L'événement est présidé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui tient évidemment à donner une autre coloration à la gestion de ces personnels, surtout, je le répète, dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives. Comme vous le savez, le CJPES a été mis sur pied pour regrouper les différentes administrations issues du ministère de la fonction publique avec moins de goulots d'étranglement et permettre d'avoir une vue assez panoramique de l'activité et de la gestion des personnels de l'État et du solde. À l'hôtel Hilton de Yaoundé, Catherine Toulou-Elanga pour la Merci Catherine Toulou-Elanga de nous avoir apporté toutes ces informations. Nous savons que vous nous ramènerez de là-bas d'autres informations encore utiles pour les usagers des services administratifs du ministère de la fonction publique. Parlons à présent des pays ACP et l'Union européenne qui se concertent pour un nouvel accord de coopération après expiration des résolutions de Cotonou. Hier, ces États tenaient une session du Conseil des ministres dans cette optique. Le Cameroun était représenté à cette rencontre par le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mé. Le point des travaux avec notre reporter, Séverin Alegambélé. Le Conseil des ministres, l'une des instances des décisions principales de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, tient la 111e session ordinaire dans un contexte particulier. Il y a bien sûr la situation sanitaire, mais aussi les changements opérés au sein du groupe ACP. Comme autorité supérieure chargée de la mise en œuvre des orientations définies par le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Nairobi au Kenya, elle se doit, par cette visioconférence, d'examiner et d'adopter les rapports d'activité du comité des ambassadeurs, du secrétariat général de l'organisation soumis à son approbation, en harmonie avec l'accord de Georgetown révisé, faisant de l'organisation une entité internationale prenant en compte l'évolution du contexte géopolitique mondial. Sur le point de négociation de l'accord post-Cotonou ouvert à New York en septembre 2018, les rapports présentés indiquent que les négociateurs en chef ont d'ores et déjà procédé à l'adoption politique de l'ensemble du texte de l'accord négocié
qui est composé d'un socle commun et de 3 protocoles régionaux. Parlons à présent de la transformation digitale du Cameroun qui est au centre d'un forum de 3 jours. Les experts réunis au Palais des congrès de Yaoundé mènent des réflexions et partagent leurs expériences pour la numérisation de tous les secteurs d'activité du pays. Je vous propose d'écouter une attitude de Jean-Jacques Massima Landi. Il est le représentant de l'Union internationale de télécommunications pour l'Afrique centrale et Madagascar. Il est au micro de notre reporter Irène Ndjanafouda. Précisément dans les pays développés, nous avons que 83% des ménages ont un ordinateur en 2018 contre 36% dans les pays en développement. Donc nous avons encore une autre progression à faire. Et le rapport de l'Institut de l'Unité estime que près de 60% des ménages ont accès à Internet à domicile en 2018 contre 20% en 2005. Donc il y a une progression quand même relative dans les pays en développement qui est fait. Alors, compte tenu du rôle crucial qu'ont les télécommunications, les TIC, dans cette transformation numérique, il est important, par ailleurs, de renforcer la coopération internationale pour partager au mieux les pratiques et les best pratiques, c'est-à-dire les meilleures pratiques, de la transformation numérique du développement. We draw the curtains of our Christmas special with the Adamawa region of Cameroon, where the Christmas season of fervescence during the end-of-year festivities is rather moving at a snail pace. From the streets to the markets of Goundary, the inhabitants complain that they have financial difficulties, but they are optimistic that the Christmas ambiance is still to get higher in the days ahead. We have details of that story with Rakiatu Musanjingi in the Adamawa. Few days to the celebration of Christmas, parents in Goundary complain there is no money to meet up with high demands during this festive season. Civil servants especially are counting on their monthly salary, which they believe will be available before the usual date. To the business people, all is not well. We are doing our best to improve the quality of our service, like reducing some prices. Some manage to make their way through and even foresee meals to be prepared on that day. If they only have something that they can eat, like if I'm making my jollof rice, they will not have any problem. This year there is no money, there is nothing, and the COVID-19 has come again, and it's as if it has blocked money and everything. The Christmas season boom in Goundary is a time for chicken vendors to make quick turnover. The normal table bird that was sold at 4,000 francs is now sold at either 7,000 or 8,000 francs. Most vendors declare the turnover is slow. Thanks, Rakiatu Musa. And how exactly do you intend to spend Christmas? That is the question our reporter Emmanuel Amoni asked the man in the streets. I will spend my Christmas with my family, because it is very important for us to know that coronavirus still around of us, and we have to put our masks to respect the social distance. That's why I prefer to stay in family. Many people are affected, so we are ignorant, but it's real. Because of the coronavirus, it's real. I have to celebrate considering the period of pandemic. I think I will not invite people as I used to invite them, but I will celebrate my family, and we will not try to take people outside. And if people have to visit us, we will make sure that we are respecting the measure. Christmas trees constitute part of the end-of-year festivities. It is therefore present in markets and supermarkets as well. The prices ranges from the types and the qualities, as our reporter Lady Mama tells us. White or green, large and small, the different type of trees are attracting customers. A few multicolored Christmas balls, garlands and light, and you have a perfect decorated tree. There are simple, natural and white Christmas trees. The prices depend on the size and model of the tree.
Here we have 180. It costs 28,000 francs. This one is expensive. It's the white Christmas tree. It costs 50,000 francs. This other one costs 40,000 francs. Having a Christmas tree during this season has become a ritual to have children happy. The Feast of Nativity promises to be rich in color. Nadia, we're still in Christmas preparations. Exactly. Nous restons donc dans les festivités de la fête de Noël, les préparatifs pour être plus précis. Et notre rédaction, frappée par la fièvre de cette fête, a saisi cette opportunité pour aller poser la question aux habitants de la ville de Yaoundé s'ils peuvent célébrer ce moment sans le sapin de Noël. Voici quelques réponses recueillies par notre reporter Aminatou Bingdoro. Je vais devoir fêter en famille, avec ma famille, et restreindre tout ce qu'on appelle visite. Oui, je pourrais aider les gens à distance, mais pas attendre trop d'invités comme d'habitude. Je vais passer les fêtes en famille parce que c'est très important. On est très prompt à attraper peut-être un virus quelconque. Donc en ce moment, c'est en famille beaucoup plus. La direction que le Seigneur va nous donner, je vais fêter dans ce sens. On compte fêter avec la famille en respectant la distanciation sociale, les mesures barrières. En famille, dans la maison, rien que la famille, parce qu'il y a COVID-19 en vrai, et on doit prendre les distances. Nous allons rester sur place avec les enfants, parce que nous ne pouvons plus faire des longs voyages. Pour que la famille ne soit pas très nombreuse, on va fêter ça d'une manière restreinte à la maison. Toutes nos excuses pour cette confusion d'éléments en rapport avec la célébration de Noël, si les habitants de la ville de Yaoundé peuvent se passer du sapin. Nous reviendrons sur ces réactions, ces réponses des Camerounais dans nos prochaines éditions de journaux. Parlons à présent du forum agro-pastoral de Ngomdiab dans la région du centre. L'événement, l'édition 2010, est ouverte depuis quelques heures déjà. Une invite à la découverte des savoir-faire des agriculteurs et autres acteurs du monde rural dans cette partie du pays. Écoutons Grégoire Obona, mandataire de cette foire agro-pastorale. Nous voulons valoriser le désenclavement qui vient d'être fait. En effet, le chef de l'État a donné la priorité dans la route Yaoundé-Krébi, que ce soit le tronçon Olama-Krébi qui démarre jusqu'à Bigombo. Et ce axe lourd est Ngomdiab est traversé grâce à ce axe lourd sur près de 50 km. Nous nous retrouvons donc un arrondissement bien désenclavé et ouvert vers le sud, les pays limitrophes, vers les marchés de Yaoundé, vers les marchés de Mbalmayo, ce qui fait que nous voulons valoriser cette opportunité que nous apporte la route. Merci de regarder le 15h sur CRTV News. Ils ont reçu hier leur nom de baptême. Les 576 élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature Résilience, c'est donc le nom de cette QV. Un choix qui trouve justification dans le contexte économique, sécuritaire et surtout sanitaire. Voici les réactions de quelques élèves de cette promotion. Lorsque j'entends le nom de baptême, la résilience, la promotion, la résilience, c'est un nom qui est fort évocateur, comme l'a d'ailleurs dit le directeur de l'ENAM en le donnant ainsi. C'est un nom qui nous rappelle à chaque fois quel est le moment du pays qu'on traverse. Donc c'est un nom qui va nous suivre pendant toute notre formation, toute notre vie, parce qu'on va toujours se rappeler que le Cameroun a traversé une telle période et que c'est pendant cette période-là que nous avons passé le concours de l'ENAM. Mes objectifs pour cette année sont détermination et travail. Je compte donner le meilleur de moi-même et je compte acquérir tout ce qui sera de bon pour moi que les enseignants me donneront. Et c'est un immense plaisir pour moi de venir me former au Cameroun. La formation de la PMS m'a beaucoup appris à devenir homme,
à être humble, à être digne et à être des valeureux serviteurs de l'État demain. Ce que j'ai retenu de la PMS, c'est que la formation militaire, c'est beaucoup d'endurance, le dépassement de soi. Ça m'a permis de mieux me connaître, en fait. Maintenant, ce que j'attends de la formation, sortie major par exemple, ou alors être l'un des meilleurs magistrats du Cameroun. The Cameroon Radio Television and the Turkish Embassy have signed a partnership agreement that will strengthen the bilateral ties of both parties. This follows a project carried out by the Turkish Cooperation Ticker in reinforcing the cooperation for journalists with the state broadcaster and technical assistance to the media organ. The signing took place yesterday in CRTV's headquarters, as Gladys Asso tells us. The Cameroon Radio Television signs an agreement with the Turkish Embassy. It is our noble intention to carry out the diversification of fruitful partnership for the interests of CRTV to show to the world that Turkey is a true friend of Cameroon. For some time now, the Turkish Embassy, through its cooperation TİKA, has been playing an active role in taking CRTV to the next level. We conducted training programs on different formation of journalism, and we shared the camera set with our Cameroonian sisters and brothers. It's just the beginning of our collaboration. We are sure that we will extend, widen, elaborate on different areas. This new accord therefore comes to strengthen the bilateral relationship between the two bodies. The Director General of CRTV handed over a symbolic gift to the Turkish ambassador and her team as part of CRTV's hospitality to its partners. Thereafter, a tour was made to Studio One of the CRTV production house in Balatu to evaluate the rehabilitation work that is being done there, funded by the Turkish Embassy. You're watching the 3 p.m. edition. This is CRTV News. The private sector within SEMA countries is grappling with low investment and obstacles to sustainable development. This was the focus of a conference organized by experts in the finance sector in the campus of the International Relations Institute, IRIC, with the target of identifying shortcomings and seeking necessary solutions. We have the story with Yves Formosa. Boosting private sector investment is crucial for economic growth, but epileptic investment in the sector is a hurdle to development within the SEMAC region. This conference was thus necessary to pinpoint flaws crippling private investment. The roles of the different parties in the absence of adequate financing in the central region was distributed between different actors. Pundits say there is a need to develop new strategic ties and partnerships, and the government, though not alone, must assist in leveraging the sector. The government should create a fair platform, which I think the government is doing very well already. But now, the other stakeholders, the other players on the field, should equally have the honesty, you know, and the ability to jump in. The way out is to improve the business climate by focusing on security and infrastructural development in order to leapfrog the private sector. While the release of the latest album of the jazz legend, the late Manu Dibango, is still pending, his family and the record label of the soul Makossa legend are determined to put an end to the illegal exploitation of the artist's works, especially as some artists decided to organize concerts to honor him on his birthday on December 12th. Annabella Tabi has the story. Family squabbles and legal battles are usually the order of the day when an established artist dies, especially when there's possibility of reaping off financial benefits from his works. Not even saxophone and jazz legend Manu Dibango could escape this reality.
After his passing, artists in Cameroon and around the world have been trying to organize concerts to pay him homage, but his family has made it clear they are against it. According to them, it is an illegal way of making financial benefits from his songs. Despite this restriction from his family, fans still have an opportunity to enjoy his music as they have permitted the record labels Fremo and Soul Makossa to release some of his songs between the year 1989 and 1992. Restons en culture, cette fois pour parler de mode, promouvoir les accessoires locaux ainsi que leur consommation. Voilà l'objet de la rencontre des designers réunis au marché du design à l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Notre reporter Papin Boumson a des précisions. Des designs et affiches habillent les murs de l'Institut français. L'espace est mis en vitrine du Made in Cameroun. La deuxième édition du marché du design veut redonner de l'étoffe aux accessoires de mode locaux. La scénographie séduit les visiteurs. Cette journée, ce marché du style très beau, innovant également. On trouve beaucoup de marchands avec leur création stylistique, leur création artistique. Pour mieux susciter l'envie d'acquérir leurs produits, les élus du jour nous expliquent le processus de création et de fabrication. J'ai toujours aimé les accessoires, mais là, voyons comment pouvoir aussi utiliser ce qu'il y a sur le sol, partout dans la nature. J'ai trouvé ce plan et j'ai dit, pourquoi pas ? On peut essayer et je me réjouis du fait que cela est apprécié par eux. Ce marché est un carrefour d'échange entre le Cameroun et la France, facilité par Juin Alain Vendôme, avec un plaidoyer, déclasser la contrefaçon des vêtements et accessoires importés, en vendant mieux le Made in Cameroun. En sport, Chan Total Cameroun 2021, les Lions, plus qu'un mois avant le kick-off, les Lions après m'ont livré un match amical hier mardi contre la Colombe du Dja et Lobo et l'ont remporté sur le score de 2-0. Une autre victoire qui donne lieu d'espérer en dépit du championnat national inexistant. Merlin Kamla. C'est le troisième match gagné depuis le début de ce 9e stage préparatoire du Chan Total Cameroun 2021. Au centre d'excellence de la CAF en Bankomo, les Lions A' ont dominé mardi dernier la Colombe du Dja et Lobo sur le score de 2-0. Les réalisations portent les signatures de Yannick Djeng et Patrick Mouvungu. Une autre victoire après celle de samedi dernier contre AS Fortuna dans le cadre du tournoi Festi Solidarité. La sélection nationale amateur s'était alors imposée 2-0. Premier 3-0, 2-0 et 2-0. Je crois qu'on a tourné l'effectif. On a vu que les gars se valent. Et puis, c'est bon. Ils nous mettent en difficulté. Mais je pense qu'on est sous la bonne voie et il y a beaucoup d'espoir. Les Poulains de Tungupile avaient déjà ouvert le stage par un match gagné 3-0 contre Canon de Yaoundé. Dans un contexte où le championnat national n'est pas prêt de débuter, la multiplication des rencontres amicales apparaît comme la douane pour maintenir, voire rehausser le niveau de jeu de ces joueurs qui défendront les couleurs nationales dès le 16 janvier 2021. We now talk sports, where Prime Minister, Head of Government Joseph Tiangote says stadiums and training pitches in Douala are ready to host next January's African Football Championship. He made the declaration yesterday as he continued his inspection tour of infrastructures to be used during next year's CHAN. Altogether, the Prime Minister inspected 6 stadiums and annex stadiums, beginning with the Japomo Sports Complex. At the end of the Prime Minister's inspection tour, he expressed satisfaction with the quality of the sports infrastructures and said Cameroon will make Africa proud during the competition. Here now is the reaction of Prime Minister Joseph Tiangote. I am very proud about the achievements that Cameroon has been able to make. These past few years, it's taken a lot of sacrifice, but when I see the quality
of the stadiums. I think they are of the highest possible level. And I wish to take this opportunity to thank the head of state for his vision to give the Cameroonian youth such wonderful tools for sports. I secondly would like to tell the young Cameroonians that after 1 year of COVID, it's been very difficult for them. I think next year should be a period when they can come out and go to the stadiums. We are going to ask the head of state what percentage of the stadiums should be occupied, maybe 50%. I'm encouraging them to come and to support all the teams that will be playing here in Douala. Parlons de l'actualité hors de nos frontières. Au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram revendique l'enlèvement de plus de 330 élèves du lycée de Kankara dans le nord-ouest du pays. Un kidnapping de masse qui rappelle l'enlèvement de 276 lycéennes de Chibok en 2014 dans l'état de Borno. Il s'agit du tout premier enlèvement de cette ampleur dans l'état de Katsina, région jusque-là épargnée par la menace djihadiste dans le pays. C'est la consternation, Merlin Kamla. Nos excuses pour cette difficulté technique. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions de journaux. Voilà donc qui referme cette session d'information. Lorsqu'il sera 17h, Joyce Abigail et moi-même, nous serons encore là pour vous servir de l'info, rien que de l'info. Joyce. Yes, Nadia, we will be seeing you at 5 p.m. again with Cameroon Today. Until then, keep watching programs of CRTV News. Action. We should avoid stigmatizing